Si le processus de socialisation transmet des normes et des valeurs, celles-ci ne sont pas nécessairement identiques pour toutes les catégories de la population. Ainsi, notre société confère bien souvent, dans de nombreux domaines, des rôles différents aux hommes et aux femmes. De même, les comportements des individus, leur culture, peuvent être assez différents selon leur milieu social. Le processus de socialisation transmet donc des normes et des valeurs adaptées à ces différentes catégories de la population, perpétuant ainsi au fil du temps des différences, des inégalités, c'est-à-dire des différences se traduisant par des avantages ou des désavantages, entre ces catégories. Ce phénomène favorise la reproduction sociale, c'est-à-dire le fait que les individus occupent les mêmes positions sociales d'une génération à l'autre. Dès le plus jeune âge, les parents adoptent des comportements différents selon le sexe de leur enfant. Ainsi, le choix des vêtements, de la couleur de la chambre, des jouets vont bien souvent correspondre au sexe de l'enfant. Les activités sportives, de loisirs, sont orientées très nettement en fonction du sexe, laissant apparaître des attentes fortes de la part de la famille quant aux normes et valeurs attachées au genre masculin et féminin. Aux filles, la grâce, l'élégance, la douceur. Aux garçons, la force, l'opposition, la compétition. Les petites filles seront ainsi conduites à imiter leur mère. Les petits garçons, quant à eux, seront conduits à imiter leur père. Les enfants qui arrivent à l'école maternelle ont déjà des comportements différents selon leur genre, provenant de l'action socialisatrice de la famille, des groupes de pères, des camarades, et des masses médias. Les filles semblent ainsi mieux préparées au milieu scolaire, plus calmes, attentives, soignées, obéissantes, que les garçons, plus agités, moins obéissants. Elles réussiraient mieux alors à l'école, dans un premier temps, mais limiteraient plus souvent que les garçons leurs ambitions scolaires. Les garçons, quant à eux, bénéficieraient de leur esprit de compétition pour s'imposer dans les filières les plus prestigieuses. L'école peinerait donc à corriger les différences de comportement selon le genre, débouchant finalement sur des inégalités en matière d'orientation. Les filles plus nombreuses dans les filières littéraires moins prestigieuses, les garçons plus nombreux dans les filières scientifiques les plus valorisées dans la société. Les normes et les valeurs transmises lors de la socialisation diffèrent selon le milieu social d'origine des individus. L'apprentissage du langage est ainsi fortement marqué par le milieu social. Dans les milieux sociaux les plus favorisés, cadre supérieur, on utilise un vocabulaire et une syntaxe plus riches. Les sujets de discussion portent plus souvent sur des idées, des abstractions. Dans les milieux populaires, ouvriers, employés, le vocabulaire et la syntaxe sont moins riches. Les sujets de discussion portent plus souvent sur des choses concrètes. De même, les pratiques culturelles initiées par les parents varient fortement selon les milieux sociaux. Dans les milieux les plus favorisés, la lecture, la fréquentation des musées, la visite de monuments historiques, le cinéma, le théâtre, sont des activités bien plus fréquentes que dans les milieux populaires qui privilégient la télévision. Les normes et valeurs transmises par la famille en fonction du milieu social jouent un rôle considérable dans le parcours scolaire des enfants. Le langage, les attitudes, les activités développées dans les milieux les plus aisés sont favorables à la réussite scolaire des enfants de ces milieux. La culture familiale est alors très proche de la culture scolaire, favorisant les apprentissages. Par contre, les éléments de la culture populaire transmis dans les familles modestes
sont bien plus éloignées de cette culture scolaire, impliquant un processus d'adaptation de l'enfant à cette culture nouvelle pour lui. Ainsi, d'importantes inégalités apparaissent en matière d'échec scolaire, redoublement, sortie du système sans diplôme, en matière d'orientation, professionnelle et technologique et courte, plus souvent dans les milieux populaires, générale et longue, dans les milieux les plus aisés. L'école ne corrigerait donc pas les différences de culture familiale et favoriserait ainsi la perpétuation des positions sociales, c'est-à-dire la reproduction sociale.